Salut à tous, c'est Manu pour la CFA. Une fois n'est pas coutume, on va aujourd'hui changer un petit peu de registre. On va regarder ensemble une petite pancarte de chez Roche. Donc, ce qui est la version P10W Evo 2, qui est la nouvelle pancarte 10e 235 mm de chez Roche Racing. Donc c'est la quatrième pancarte qu'ils font chez Roche. Je vous avais présenté il y a quelques années déjà la P10, la première P10, qui était en 200 mm. Après, ils avaient fait la même version en 235 mm, la P10W, et après une version Evo, je crois, il y a un an et demi, un truc comme ça, ou deux ans peut-être bien. Et puis là, ressort donc la version Evo 2, donc qui est une déclinaison complète hein, de la version d'avant. On retrouve la même philosophie, mais beaucoup de changements hein, sur cette version Evo 2. Ce que je vous propose, c'est de se lancer tout de suite et puis de regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc, comme d'habitude chez Roche, on va retrouver un petit emballage assez classique. Hein. Donc, on rappelle, hein, ils le rappellent partout. En fait, ils ont été champions du monde en 12e, deux reprises, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Donc des châssis Roche qui marchent pas mal, hein. On en prend un petit peu pendant la présentation, mais c'est généralement pas mal. Donc j'avais jamais ouvert, donc il y a un petit... c'est 2016 je crois, ouais, le dernier championnat, c'est marqué dessous. Alors, dans la boîte, on a un manuel en couleur, enfin couleur noir et blanc à l'intérieur, mais couleur à l'extérieur. Donc, qui est pas mal, hein, qui est tout en anglais et en chinois, j'ai l'impression. Donc, il vous explique toutes les étapes de montage. Donc, ce qui est intéressant dans cette version, on va peut-être le voir un petit peu dans le déplié complet. C'est dans cette version Evo 2, donc ça va être notamment l'ajout d'un double deck, en fait, d'un renfort en fait latéral qui va rigidifier tout le châssis et puis d'autres options hein, comme les réglages à l'arrière qui vont changer. On va avoir des bras inférieurs en carbone, on va avoir pas mal de d'options comme ça qui vont changer par rapport à l'ancienne version, un nouvel amortisseur et puis à la fin hop, comme d'habitude chez Roche, on va trouver une fiche de setup donc vraiment destiné pour la compétition, cette version 235, une petite planche d'autocollant, ça fait toujours plaisir. Et puis on va regarder un petit peu l'intérieur, le paquet est scellé, donc on va l'ouvrir un petit peu ensemble pour regarder tout ça. Allez, hop. Désolé pour les bruits. Hein. Allez, c'est parti. Donc on a dans le kit... on va retrouver donc tout le pare-choc avant avec les roulements et les supports de carrosserie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les supports de carrosserie à l'arrière maintenant ressemblent plus à ce qui se fait en DTM. Hein. C'est monté sur une plaque verticale et non plus sur une plaque horizontale comme ça se faisait sur les anciennes versions. On va retrouver donc l'amortisseur central. Donc je vous l'ai dit, amortisseur big bore, un peu plus de contenance que les anciens amortisseurs de la version Evo, avec une platine centrale avec pas mal de réglages. Hein. Donc on va pouvoir bouger beaucoup l'amortisseur en avant et en arrière, voilà, pour retrouver du grip sur l'avant ou sur l'arrière. La grosse évolution aussi qu'on va retrouver dans cette Roche, ça va être le support de servo, pareil, réglable. Et puis on va trouver pas mal de pièces alu comme ça, qui vont nous servir donc pour le train avant et puis aussi pour la platine centrale. Donc ça c'est cool. Les bras de suspension avant et les fusées donc chez Roche. Alors on pourrait aussi mettre en remplacement du ASSO. C'est les mêmes cotes hein, que les ASSO. Mais ceux de Roche font très très bien l'affaire. Donc des biellettes on les voit ici. Pas de souci. Là on a toute la visserie. Ok, donc la visserie chez Roche, c'est pareil, c'est pas de la visserie de super grosse qualité, hein. Il faut faire attention quand on fait les serrages, de pas trop forcer, sinon les empreintes peuvent se déformer, vous risquez de vous retrouver avec des empreintes, des vis bloquées, donc faites attention à ça. Il y a des kits de visserie qui existent.
Autre point qui change là dans le, enfin qui ne change pas d'ailleurs dans ce kit, on a toujours l'axe carbone de chez Roche, qui est un petit peu le point faible des anciennes versions en 235 mm, même en 200 mm d'ailleurs quand ça prenait des chocs. En fait, c'est plutôt dû au sertissage là qu'on a qui traverse l'axe. Et puis il peut arriver aussi également que l'insert en alu ici se décolle du carbone. Donc c'est vrai que c'est des axes qui sont pas très chers, on les trouve à moins de 20 euros je crois. Mais moi du coup j'ai acheté en option chez Roche, je vais vous montrer ça, j'ai acheté un axe acier, acier creusé quand même, un axe acier tout de même, donc il n'y a pas une grosse différence de poids et du coup niveau solidité on est vraiment plus confortable. Donc c'est pareil, ça coûte 25 euros je crois l'axe acier en option. Donc n'hésitez pas à faire le changement si vous voulez une voiture plus fiable. Alors l'axe carbone va marcher, hein, mais il faudra vraiment faire attention à ne pas trop taper avec, quoi. Donc ça c'est cool avec une couronne quand même assez grande. Donc, mais pas immense. Hein. Donc en 64 dp. Donc pareil, si vous roulez en mode, il faudra monter une couronne plus grande et peut-être même du 48. 64 dp en mode c'est compliqué. Hein. Avec la puissance qui passe dedans. Donc je vous rappelle, le mode c'est vraiment des moteurs assez puissants, du 4,5, des choses comme ça. Et en stock, c'est 10,5 Obi-Wing, ou alors 13,5 je crois. Donc c'est plus raisonnable avec du stock, mais bon, après il faut voir ce que vous voulez faire avec la voiture. Sur le pot d'arrière, là, on va retrouver donc le renfort latéraux, on va retrouver le pot d'arrière alu. Donc comme d'habitude chez Roche, des super belles pièces, bien usinées. Avec les petits inserts de couleur, ça c'est sympa. On va retrouver donc là les supports latéraux, les supports en aluminium. On va retrouver donc tout le pot d'arrière avec le pivot, les links et tout ça. Alors il faut savoir qu'il existe aussi une option pour baisser le pivot de 0,5 mm pour le descendre un petit peu, ce qui permet de gagner en stabilité à l'arrière. Faut avoir. Donc pour moi je ne l'ai pas pris pour l'instant, je verrai si dans un futur on teste ça. Donc là c'est toutes les pièces carbone, donc ça c'est cool. Et puis le châssis en lui-même, donc le châssis un carbone de 2,5 mm, donc classique chez Roche, assez carré, donc qui fera bien son office. Avec les renforts ça va être suffisamment rigide, ça va être top. Donc on va monter tout ça, on va rouler tranquillement. Je pense qu'on va rouler en stock pour commencer, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis peut-être en mode un petit peu plus tard. Voilà, pour l'instant, on se reverra pour une vidéo de montage de cette Roche. Donc dans les semaines qui viennent, peut-être assez rapidement, si j'ai le temps de m'y atteler. Je vous fais ça assez rapidement. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner hein, sur la chaîne RCF1. Si vous voulez voir d'autres vidéos, il y a pas mal de vidéos qui vont sortir un petit peu sur l'électronique là bientôt. Et puis sur des tests de pneus aussi que je suis en train de faire en indoor. Donc il y a des choses à venir sur RCF1 comme d'habitude. Donc à suivre. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!